Alors bonjour, je vais vous faire une petite présentation sur le plus haut, ça va comme ça? Ok. Sur la façon la plus rapide en gros de démarrer sans trop se prendre les pieds dans le tapis, en argentique, donc en commençant par le bon bout. Alors je m'adresse surtout aux grands débutants, hein, pas à ceux qui connaissent ça depuis longtemps. Et donc avant de commencer, je voulais juste remercier l'association Dentacuve qui organise toutes les... donc c'est lui là. Qui organise toutes les présentations autour de l'argentique ici. Ils sont super sympas, il faut aller les voir si vous avez des questions, ils pourront vous orienter en fait, vous renseigner, vous orienter vers les bonnes personnes. Alors, allons-y. C'est quoi, c'est celui-là? Ouais, voilà. Alors, je vais commencer juste par me présenter pour que vous sachiez en gros qui vous parle. Et puis, on va tout de suite attaquer par le matériel. Puisque, en règle générale, c'est la première chose sur laquelle on jette, c'est aussi la première occasion de se planter et puis de tomber dans les premiers pièges. Ensuite, on verra quel film choisir, qui est la vraie question. Et puis, une fois qu'on aura en fait évité ces premiers écueils, le film, ce n'est pas vraiment un écueil, hein, on va voir que c'est de plus en plus facile parce qu'il y en a de moins en moins. Ensuite, on va voir comment exposer tout ça. Et puis, finalement, je vais parler également du développement perso, du développement en labo. Et puis, on va parler du tirage et de la numérisation, du scanning. Alors, le scan, enfin, on parle plus de scan pour les fans argentiques, parce que numérique, ça fait un peu moins glam. Donc, c'est un peu notre hypocrisie lexicale à nous. En parlant du scan, je vais parler surtout en fait, du petit piège qui tend à tous ceux qui démarrent. Parce qu'on a le sentiment très rapidement que c'est très facile en scannant. Mais il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber, donc on va en parler. Et puis ensuite, je vais conclure, et puis il sera temps de poser des questions si vous en avez. Alors, c'est parti. Alors, moi, je m'appelle donc, je suis Alexis. Je suis photographe indépendant depuis 2010. J'ai un petit studio depuis pas très longtemps dans Paris, à côté du métro Bourse. Voilà. Je fais beaucoup de photographie, enfin, je fais essentiellement de la photographie numérique commerciale. En 2014, j'ai créé un blog, La Photo Argentique, dans lequel je présente essentiellement tout un tas de petits articles qui sont très pratiques, que j'aurais aimé trouver moi quand j'ai commencé. Donc, il y a un petit peu de théorie, mais il y a surtout beaucoup de pratiques. Et puis, en 2015, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus, de façon beaucoup plus approfondie, au procès des anciens, en particulier le collodion humide, dans lequel je me suis pas mal investi. Investi, c'est pas un petit mot d'ailleurs quand on y pense. C'est quelque chose qui est très, c'est très facile de faire salement, mais c'est très compliqué de le faire proprement. Enfin, je ne vais pas vous parler de ça, on n'est pas là pour ça. Et en 2016, j'ai fait une grosse remise en question, c'est-à-dire que je me suis posé beaucoup de questions cette année et je suis sur le point de me demander si je ne vais pas en fait arrêter tout ce que je fais en numérique pour passer complètement en argentique. Mais ça nécessite en fait un gros changement dans mon activité. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que je me situe dans la peau d'une personne qui envisage de gros changements sur l'argentique. Donc ça vous donne une petite idée d'où je viens, quoi. Voilà, tac. Alors, appareil. Alors, la première chose, en fait, avec le matériel, c'est savoir ce qu'on veut faire. Parce que sinon, on est incapable de choisir correctement, en fait, son matériel. Et la meilleure façon, le meilleur point d'entrée, en fait, que je peux caractériser, il y a deux pratiques. Soit on a une pratique qui est ludique, où, en fait, essentiellement, ce qu'on cherche, c'est à explorer les types de rendus, une exploration ludique d'un nouveau médium. Okay. Donc il n'y a pas une attente particulière en termes de rendu. La raison première, c'est s'amuser, explorer. Et puis il y a une seconde approche. Et là, de toute façon, dans cette première approche, c'est pas très grave si jamais on a des résultats qui ne sont pas super sympas, parce que de toute façon, on est protégé, on a le numérique dans la poche. Soit on a une autre démarche qui peut être créative ou pas, mais dans laquelle on va surtout être intéressé par donner une certaine unité à ces photos. Alors, ça peut être pour un projet ou simplement quelque chose de personnel. Mais l'idée maîtresse, c'est d'arriver à faire quelque chose de relativement homogène. Et donc, créer une unité qui soit technique ou esthétique. Alors, dans ces deux pratiques-là, on va avoir un raisonnement qui est diamétralement quasiment opposé dans le choix du matériel qu'on va faire.
Et la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un appareil qui fait tout et bien, bah, ça n'existe pas, donc il va falloir faire des choix. Dans le premier cas, par exemple, on peut tout essayer. Hein. On peut acheter un matériel d'occasion, s'amuser un petit peu, et puis le revendre, essayer un autre, sans aucun coût financier, puisque de toute façon, on peut le revendre au même prix auquel on l'achète. Faire la même chose avec les péloches, on peut essayer toutes les pellicules, etc., etc. On peut faire ça avec un matériel entièrement automatique, presque sans comprendre ce qu'on fait, c'est pas très grave. Dans l'autre cas, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, je dénigre pas en fait la première approche. Hein. C'est une approche qui est totalement valide dans l'exploration créative. Des fois, on fait des choses, on passe des périodes pendant lesquelles on essaye juste. Donc, c'est totalement valide. Je dénigre pas du tout cette approche-là. Mais ce que je veux dire simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette approche, il n'y a pas d'intention de résultat particulière. Ok? Donc, il n'y a pas de méthode pour choisir son matériel. Donc, je veux dire, il faut savoir dans quel camp on se situe. OK. Dans le second cas, on cherche plutôt une unité, en fait, pour, par exemple, une série. On va s'orienter vers un matériel qui est un peu plus flexible, qui va nous permettre d'explorer plusieurs choses, de faire plusieurs choses en un seul appareil. Je donne un exemple qui est tout bête, le sténopé, par exemple. Un sténopé avec un appareil à sténopé, on peut faire que du sténopé. En revanche, avec un appareil standard, comme un de ces deux-là, par exemple, on peut très bien faire du sténopé aussi. Donc, plus en fait, on a un appareil flexible, et plus on se permet d'explorer tout un tas de choses. Donc, c'est quand même plus sympa. C'est plus pratique. Oh là. Donc, on va naturellement, dans ce cas-là, se diriger vers des appareils qui permettent d'exposer le film de façon manuelle, ou alors, en fait, avec une priorité de diaphragme et une correction d'exposition ou une mémorisation d'exposition. Alors, hormis, donc évidemment, on va essayer d'éviter tout ce qui est appareil automatique non débrayable. Et hormis, en fait, ce choix-là, c'est-à-dire le choix de ne pas choisir un appareil qui n'est pas automatique, il faut quand même essayer de trouver une méthode. Alors, on a parmi le vaste choix de matériel à notre disposition, on a un choix à faire sur la visée. Est-ce qu'ils vont prendre une visée réflexe, une visée télémétrique? Est-ce qu'on va prendre un autofocus ou pas? Est-ce qu'on va prendre un moyen format ou un 35 mm? Enfin bon, bref. De toute façon, on sait qu'on ne pourra pas trouver l'appareil qui fait tout. C'est totalement impossible. C'est la même chose que dire à un mécano, en gros, tu as 3 douzaines de clés plates. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas plutôt une clé à molette? Avec une clé à molette, tu n'as pas besoin de tes clés plates. Si c'était vraiment le cas, on ne verrait plus de clés plates dans les garages. Ce n'est pas le cas, donc il y a forcément une raison d'être à ces clés plates. C'est un peu la même chose en photographie, donc chaque appareil a une fonction. Il faut simplement être certain, enfin, il faut comprendre en gros la raison d'être, la fonction de chaque appareil. Voilà. Alors, bien entendu, hein, c'est un petit peu comme en dessin, il n'y a rien de gravé dans le marbre. On n'est pas obligé d'apprendre à dessiner avec un crayon HB, donc c'est pareil, en photo, on n'est pas obligé d'apprendre avec tel ou tel appareil. Mais quand on démarre avec quelque chose, on va dire, de médian, on peut comprendre plus facilement la raison d'être des extrêmes. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, je vais juste faire un petit détour par le format, ce qui est une grosse différence, première grosse différence, c'est le format des pellicules. Alors, typiquement, les premières qu'on rencontre, c'est celle-ci, c'est les petits formats, ça donne des négatifs qui sont à peu près de cette taille-là. Ok, c'est assez petit. Donc ça, c'est le format 35 mm ou 135. Et puis, on a le format 120 de cette taille-là, et ça donne des négatifs de cette taille-là. Donc en 6-6, là, par exemple. Ok. Donc forcément, nécessairement, les appareils qui vont recevoir ces pellicules-là, ils vont être plus petits que ceux qui vont recevoir cette pellicule-là, simplement par la dimension. Alors, il faut simplement, juste avant que j'explique ce petit schéma-là, il faut juste se poser la question pourquoi en fait partir sur du moyen format plutôt que du 35 mm. Il y a une vraie raison à ça. En fait, il y a deux raisons. La première raison, le film est plus grand. Donc proportionnellement, le grain argentique il est plus petit. Donc on a une meilleure résolution. Ça, c'est une raison. C'est sans doute pas la meilleure raison. La meilleure raison en fait, de choisir le moyen format, c'est les transitions tonales. En fait. C'est-à-dire que la transition entre les tons, les différents tons de l'image, va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus continue, beaucoup plus douce qu'en 35 mm où c'est un petit peu plus abrupt. Donc ça, c'est la vraie raison. Alors, il existe aussi des films de dimensions qui sont bien plus importantes que celles-ci, mais on commence rarement par
en gros la chambre photographique. Hein, c'est des appareils qui peuvent avoir des dimensions qui sont gigantesques. Donc j'en parle pas ici. Alors, pour parler de ce petit schéma-là, la première chose à savoir, c'est qu'on choisit un boîtier pour son ergonomie. La façon de le tenir, un bon exemple d'ergonomie, c'est est-ce qu'on va prendre une visée réflexe ou donc visée réflexe, on voit à travers l'objectif, ou alors visée télémétrique, on vise à travers une petite fenêtre. Ça, c'est un choix ergonomique. Soit, donc le boîtier, c'est pour l'ergonomie, et l'optique, on choisit l'optique pour la qualité de l'image. Alors ici, je résume un choix, une certaine façon d'approcher ce choix-là. La première chose, c'est est-ce que c'est lourd ? Parce que quand on se déplace en voiture, en train, etc., on ne porte rien du tout. Donc, on ne va pas avoir la même logique que quand on doit tout porter sur son dos, parce que le matériel photo, c'est relativement lourd. Donc ça, déjà, on sépare ces deux choses-là. Est-ce qu'on va porter quelque chose d'encombrant ou pas ? Si on a pied, c'est vraiment pas pareil. Ensuite, est-ce qu'on a le temps de se préparer ? Ça, c'est un très, très gros facteur. Si on a le temps de se préparer, on a le temps de transporter un appareil dans un sac. Il y a des appareils qui sont plus pratiques à transporter dans des sacs que sur l'épaule. Si on n'a pas le temps de se préparer, il faut être prêt tout le temps, il faut avoir l'appareil dans la main. Ça veut dire qu'il ne peut pas être trop lourd, il ne peut pas être trop volumineux, etc. Donc c'est vrai en numérique, en argentique, bien entendu. Et puis enfin, il va y avoir aussi la mobilité du photographe et du sujet qui va induire un certain nombre de choix. Notamment, par exemple, dans le cas où le photographe il est totalement immobile. Un exemple type, c'est tout ce qui est rencontre sportive. Vous êtes, par exemple, un concert. On est coincé dans un coin, on ne peut pas bouger. On est obligé d'être là, on n'a pas le droit d'aller ailleurs. Donc, c'est le monde des zooms pour tout ce qui est optique. C'est le monde des zooms, de l'autofocus, etc. Mais quand le photographe peut bouger, on n'a pas besoin de zoom. Okay, on peut faire ça avec ses pieds. Et puis, la plupart du temps, dans la majeure partie des cas, on n'a pas besoin d'autofocus non plus. Donc, si on prend l'exemple de quelqu'un qui veut découvrir la photo argentique le week-end en famille ou pendant les vacances, eh bien, très rapidement, on va se rendre compte qu'il faut un appareil qu'on doit avoir sous la main tout de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les compacts numériques sont en train de se faire manger par les appareils photo. Donc, il faut que l'appareil soit petit, il soit léger, il soit flexible pour qu'on puisse un peu explorer ce qu'on veut. Et puis ensuite, au niveau de l'optique, on n'a pas besoin d'un zoom. Et puis, on n'a pas besoin d'autofocus non plus, puisqu'en fait, on est en famille, on est relativement libre. Donc, on se retrouve sur des formats d'appareils qui sont relativement petits, un peu comme celui-ci, enfin, un peu comme ces deux-là, d'ailleurs. Donc, des formats 35 mm à focale fixe, ou télémétrique ou réflexe. Et là, très rapidement, en fait, on se dit « Ah oui, moi, je voudrais bien un Leica, je voudrais bien un Rolleiflex ou un Hasselblad. » Et la question qu'il faut se poser rapidement, c'est est-ce que, en fait, entre deux boîtiers professionnels ou de marques prestigieuses, on va dire, sur laquelle il y a une grosse différence de prix, est-ce que ça se retrouve dans la qualité de l'image ? Et le trois quarts du temps, c'est relativement injustifié. Je donne un exemple ici. D'un côté, là, on a sur la droite, enfin sur ma droite, donc sur votre gauche, on a un Hasselblad avec une optique Zeiss 80 mm. Donc c'est le combo mythique du moyen format. Okay, tous les grands photographes ont photographié avec ça. Et puis de l'autre côté, on a un boîtier qui est un boîtier pro également, qui a été énormément utilisé à la grande époque, Mamiya C330, avec son optique Secor à 80 mm aussi. Il est quasi... Bon, alors là, c'est un écran. Il est presque impossible de voir la différence. Il y a pas une... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas une différence notable. Okay, la différence, elle va se situer au niveau... C'est marginal, au niveau de la signature. Donc, est-ce que la différence de prix qu'on va trouver dans le marché de l'occasion, parce que pour l'instant, il n'y a plus que ça, qui va être aux alentours de 1000 euros, des fois même plus, entre ces deux boîtiers-là, est-ce que c'est justifié en termes de qualité d'image ? La réponse, c'est non. Clairement pas. Donc, le choix, il va se faire sur un autre critère. Il doit se faire sur l'ergonomie du boîtier. Il doit se faire éventuellement sur la signature de l'optique. Mais la signature, c'est... on voit, par exemple, si on veut vraiment rentrer dans le détail, la signature du Zeiss par rapport au Secor, ici, là, sur ce portrait-là, c'est qu'on a un petit peu plus de contraste local, par exemple, sur le visage. C'est un petit peu plus péchu, quoi. Voilà. C'est ni plus ni moins ça. Ça va pas plus loin que ça. Okay, donc, est-ce que ça vaut 1000 balles? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Bon, moi, ce que je voulais dire en résumé là-dessus, c'est qu'en gros, il ne faut pas trop se prendre la tête
pour choisir un matériel plutôt qu'un autre. Il y a des matériels qui sont excessivement performants. Moi, j'utilise le Mamiya, hein, d'ailleurs. Ils sont excessivement performants et on n'a pas besoin de se ruiner en fait pour pouvoir y accéder. Ok. Alors, la même chose si on veut parler de Leica. Leica, ça revient toujours sur le tapis. Dès qu'on parle d'argentique, on parle de Leica. Est-ce que Leica, en termes de qualité d'image, ça vaut vraiment 2 ou 3 fois le prix de ce truc-là? Ok. La réponse, c'est non. C'est clairement pas du tout le cas. Ça, c'est un boîtier Zeiss qui est plus produit avec une optique Zeiss qui est excellente. En termes de qualité d'image, ça se justifie absolument pas. Maintenant, il y a une et une seule raison pour laquelle en fait, on peut acheter aujourd'hui un Leica, et à mon avis, c'est une excellente raison, c'est que c'est de par la renommée de la marque, ce sont des boîtiers qui peuvent être vérifiés, ajustés et réparés quasiment partout dans le monde. Donc c'est la vraie raison en fait, d'acheter un Leica d'occasion ou neuf aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. En termes de qualité d'image, on peut trouver ça ailleurs. À la signature près, bien entendu. Okay. Tandis que ce boîtier-là, Zeiss, qui est plus produit, c'est assez particulier. En fait, si par exemple, je fais régler le télémètre, je suis obligé de trouver des techniciens Zeiss. Et le 3/4 du temps, je me retrouve à l'envoyer chez Zeiss lui-même, quoi. Enfin, donc à la maison mère. Quoi. Donc, c'est pas pareil. Voilà. Donc, c'est juste pour refermer en fait, la page Leica, parce qu'on en parle tout le temps. Donc, vous pouvez aller en acheter tout de suite. À propos d'appareils, juste une petite note. L'année dernière, Vincent Montibus avait fait une présentation ici sur en fait, un grand nombre d'appareils argentiques. Donc, vous pouvez la voir, elle est disponible sur Internet, sur le site d'Antacuve. Donc, il passe en revue pas mal de appareils, ça peut être intéressant. Alors ensuite, quel film? Voilà. Alors, c'est la vraie question qu'il faut se poser, hein, plus que le boîtier. Mais bon, on ne peut pas faire d'image sans boîtier. Quel film on va utiliser? Alors en argentique, on est obligé de faire le choix très rapidement couleur noir et blanc. Quand on prend le noir et blanc, on ne peut pas revenir en arrière. C'est la très grande caractéristique du médium, c'est qu'il faut très rapidement se projeter dans le résultat. C'est ce qui est d'ailleurs très intéressant dans ce médium-là. C'est qu'on est obligé de se projeter dans le résultat bien avant de prendre la photo. Et donc ce qu'on peut dire, c'est que l'avantage du noir et blanc par rapport à la couleur, c'est que c'est certainement le procédé le plus accessible pour vraiment faire toute la chaîne soi-même, c'est-à-dire en termes de prise de vue, évidemment, de développement, de tirage ou de scan, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple pour explorer toute la chaîne. Après, il faut aimer le noir et blanc, bien sûr. Pour ce qui est de la couleur, quand on commence, il est préférable de passer par un labo pour le développement et le tirage. C'est beaucoup plus simple au départ, ça crée moins de frustration parce que c'est un petit peu plus pointu. Alors, ensuite, il y a plusieurs médias qui sont disponibles en fait en couleur et en noir et blanc, donc en argentique. Il y a la photographie instantanée. La photographie instantanée, elle ne se prête pas tellement en fait, pour débuter en photo. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en termes de coût, c'est relativement cher. Et en termes de matériel, on a un matériel qui est relativement inadapté pour vraiment comprendre ce qui se passe. Quoi. La plupart du matériel disponible à l'heure actuelle est totalement automatisé. Il y a du matériel qui existe, qui est manuel, mais en fait, il est très difficile à sourcer, il est très cher. Ensuite, on a aussi la possibilité de passer sur des supports alternatifs, comme par exemple un négatif, voilà, un négatif comme ça, un négatif papier. Pour commencer dès le départ, il faut quand même des petites bases, donc c'est peut-être pas l'idéal. C'est très facile, c'est très accessible. La seule véritable question, en fait, dans tout ce qui est médium alternatif, c'est de savoir si on veut vraiment y passer du temps. Parce que c'est vraiment le critère. C'est est-ce qu'on a vraiment du temps à y passer. Donc, laisse ça de côté. Ensuite, on passe à l'inversible. L'inversible, c'est simplement de la diapo. Donc ici. Alors, l'inversible, c'est évidemment beaucoup plus... C'est beaucoup plus exigeant en termes d'exposition. C'est excessivement formateur. Quand on commence par ça, on commence à la dure, mais on comprend très très vite ce qui se passe. Parce que là, pour le coup, ça ne pardonne rien du tout. Ça ne pardonne aucun écart. Donc c'est le moyen le plus rapide en fait, de comprendre rapidement exactement comment fonctionne l'exposition en argentique et d'être certain de ce qu'on fait. Maintenant, quand on se plante vraiment. Ça, il n'y a pas de souci et on n'a rien, quoi. Mais bon, ceux qui viennent, par exemple, de la photographie numérique, ils seront
relativement à l'aise dans ce domaine-là parce qu'on expose essentiellement sur les hautes lumières, sur les tons clairs. Donc c'est le même processus un petit peu. Voilà, puis enfin, on arrive sur le négatif. Alors le négatif, c'est le médium le plus flexible en argentique. Hein, il peut encaisser énormément de choses. On peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses sans l'abîmer vraiment. Donc on va plutôt se concentrer là-dessus. Moi, je vais concentrer là-dessus la suite de la presse. Parce qu'effectivement, pour apprendre, c'est quand même la chose la plus facile. Alors, de temps en temps, je pense que même quand on commence par le négatif, il vaut faire quelques allers-retours avec la diapo. D'une part, c'est absolument magnifique sur une table lumineuse. Ça existe aussi, on peut aussi faire de la diapo en noir et blanc. C'est encore un peu plus idiosyncratique. Mais bon, ça permet de s'assurer qu'on a bien compris ce qu'on fait, quoi. Et puis bon, ça fait un petit peu de couleur, c'est toujours sympa. Alors, dans le noir et blanc, il y a deux types d'émulsions. Qui vont se dégager. Il y a les émulsions à grain ancien, les émulsions à grain moderne, ce qu'on appelle grain T. À grain ancien, on a par exemple tout ce qui est HP5, Tri-X. Et grain T, ce sont des émulsions qui sont modernes, où le grain est beaucoup plus fondu dans l'image. Il est moins apparent. Donc la résolution du film est un petit peu plus élevée. Okay, et la grosse caractéristique donc, du film à grain ancien, entre guillemets, c'est que le grain est beaucoup plus marqué. Donc là, pour le coup, c'est juste un choix esthétique, c'est un choix personnel. On aime l'un ou l'autre. Il n'y a pas de choses particulières là-dessus. Alors, par exemple, chez Kodak, toute la gamme à grain T, donc à grain moderne, c'est toute la gamme T-Max. Et chez Ilford, c'est toute la gamme Delta. Okay. Et les films les plus célèbres, en fait, on va dire, chez Ilford, c'est HP5 pour le grain ancien, Delta pour le grain moderne. Et chez Kodak, c'est Tri-X pour le grain ancien, T-Max pour le grain moderne. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit au départ, quand on choisit un film, c'est qu'il faut choisir un film pour sa flexibilité, quand on démarre. Hein, je parle vraiment toujours pour les débutants. Il faut choisir un film pour sa flexibilité en termes de sensibilité et puis en termes de traitement. Alors, en termes de sensibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il faut qu'on ait un film qui puisse... encaisser en fait une lumière abondante et une lumière beaucoup moins abondante. Et puis en termes de traitement, ça veut dire qu'au développement, il faut qu'il puisse subir beaucoup de différences, beaucoup de, on va dire, d'expérimentation au niveau du développement, sans pour autant en fait tomber en ruine, quoi. Donc en donnant toujours de bons résultats. Alors donc les plus célèbres, on en a parlé. Donc c'est Tri-X chez Kodak et T-Max, HP5 Ilford et la Delta 400 chez Ilford toujours. Tri-X, c'est un grand classique. C'est un très très grand classique en photo. C'est le classique de l'âge d'or. Mais pour commencer, moi je vais faire un petit sacrilège. Je vais pousser le curseur vers la HP5. Pourquoi? Parce que c'est un film qui est un petit peu moins contrasté quand on l'utilise en fait avec les temps de développement recommandés. Il est légèrement moins contrasté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il va être plus facile à tirer sous sa grandisseur, il va être aussi plus facile à scanner, et il va être plus facile à scanner aussi parce qu'il est plus plat, une fois qu'il est sec. La caractéristique de la Tri-X, c'est qu'elle tuile un peu, hein, le film est un peu tuilé, tandis que la HP5, elle sèche bien plat, donc elle est plus facile à scanner dans les passe-vues. Voilà, elle est aussi disponible en bobine, donc elle est moins chère. On peut la voir pour moins cher. Mais bon, on peut faire la même chose avec les deux films. Ce sont deux films qui sont très, très flexibles. Hein. C'est juste, en fait, une toute petite orientation que je donne. Ce qu'il faut retenir avec les films, c'est qu'en choisissant des films qui sont différents, on peut quand même faire la même chose. C'est-à-dire que le rendu du film, il va beaucoup plus dépendre de la manière dont on utilise le film que du film lui-même. Il y a des personnes qui, en fait, changent de film tout le temps en essayant de se dire « Ah, ben, celui-là, il est vraiment différent. » En fait, non. La raison pour laquelle ils ont des grosses différences entre un film et puis un autre, c'est parce qu'en fait, ils ne savent pas trop l'utiliser et puis ils pensent que ça provient uniquement de la caractéristique du film. Ce n'est pas vrai. Ça provient de la manière dont on l'utilise et la manière dont on l'expose, numéro un, et la manière dont on le développe. La preuve, elle est là. Voilà. De loin, est-ce qu'on est capable de me dire, en fait, si c'est la même péloche ou pas? Non. OK, y en a une, donc à droite c'est Fuji Acros, c'est une émulsion moderne à grain T. Et puis à gauche c'est la bonne vieille Tri-X, okay, à laquelle je donne une petite pique tout à l'heure. C'est quasi impossible de faire, il n'y a pas de différence majeure, encore une fois ça se situe au niveau de la signature.
c'est marginal. Bon, là, c'est un écran, de toute façon, on ne voit rien du tout. Enfin, à partir du moment où on fait de l'argentique, on s'aperçoit que sur les écrans, c'est impossible de faire la différence entre une photo numérique ou argentique, il faut l'avoir sous les yeux. Donc, quand on a vraiment le tirage sous les yeux, effectivement, il y a une légère différence, mais c'est pas ce que je veux dire par là, c'est pas majeur. Donc, quand on choisit un film, il ne faut pas choisir un film pour sa marque, il faut choisir un film quel qu'il soit, entre guillemets, et puis ensuite, essayer de le maîtriser. Et avec ce film-là, on peut faire quasiment tous les rendus. C'est pour ça qu'en fait, Trix, qui est un film qui peut encaisser énormément de choses de développement, de la même façon HP5, c'est un film qui peut avoir plein de rendus différents, mais vraiment très très différents. Ça peut être très contrasté, pas du tout. Enfin bon, bref, on peut faire beaucoup de choses. De ce point de vue-là, d'ailleurs, la Cross est moins flexible. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas le film idéal pour commencer. Donc choisir un film et s'y tenir. Donc voilà, on se casse pas trop la tête pour choisir le film. En couleur, il y a, on va parler des films les plus célèbres. En gros, le truc le plus accessible aujourd'hui, c'est la Fuji. Il n'y en a pas beaucoup de films aujourd'hui. C'est assez simple d'en parler. Donc il y a la Extra, la Superia de chez Fuji, qui est pas très chère, qui a un grain assez marqué en couleur. Et puis en film professionnel, il y a Kodak Portra 400 et puis la Fuji 400H. Alors, la grosse différence entre ces deux-là, c'est que, clairement, sans aucun conteste, le film le plus flexible, c'est la Portra 400. La Portra 400, elle peut encaisser vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment un super film. La 400H de chez Fuji, c'est un film qui a une signature colorimétrique qui est très affirmée. Et en fait, c'est un film qui est absolument magnifique. Bon, il faut savoir l'utiliser correctement. Il est beaucoup moins flexible que la Portra. Il est magnifique. Fuji, il faut savoir... Enfin, c'est des gens qui sont très, très bons en colorimétrie. Ils ne nous aiment pas du tout, en fait, en argentique. Ils sont totalement business-orientés. C'est-à-dire, ça ne gagne pas de fric, on dégage. Donc, ils ont dégagé, en fait, tout un tas d'émulsions. C'est dommage parce qu'ils font des films absolument superbes. C'est pour ça que, d'ailleurs, en numérique, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu également. C'est parce qu'ils connaissent très, très bien la couleur. Ils sont très forts pour ça. Bon, néanmoins, ils n'ont plus grand-chose de disponible. Il ne reste quasiment que la 400H chez eux. C'est un petit peu dommage. Voilà. Donc c'est la même chose qu'en noir et blanc. Pour pouvoir vraiment connaître un film, il faut en choisir un et puis s'y tenir. La grosse différence par rapport au noir et blanc en couleur, c'est que le rendu va énormément dépendre de la manière dont on expose le film. C'est-à-dire que la balance entre les couleurs va dépendre de la manière dont on expose le film. Donc en parlant d'exposition, ça me fait ma transition. Hop, hop, hop. C'est pas très fin, je vous l'accorde. On y reviendra. Alors, comment exposer ? Alors, quand on débute, il y a deux solutions. Il y a exposer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire choisir, je vais dire pourquoi je dis choisir, c'est en gros choisir la quantité de lumière que va recevoir le film. Est-ce qu'il va recevoir beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière ? Donc, tout d'abord, ce que je veux dire, c'est le meilleur moyen d'arriver à ce qu'on veut, c'est de comprendre ce qu'on fait. Et on a une chance énorme, c'est que la technique en photo, c'est ce qu'il y a de plus simple. La technique photo, c'est vraiment le truc, c'est du béaba, c'est super simple. Il y a plein de gens qui essaient de faire croire que c'est compliqué pour se faire mousser. C'est super simple. Il y a trois paramètres en photo, il n'y en a pas plus. Ce qui est compliqué en photographie, c'est de faire un truc bien avec des choses simples. Et c'est comme partout dans la vie, en fait. Dès qu'on a, c'est comme un piano. Un piano, il n'a pas une infinité de notes. Quoi, pour faire quelque chose de bien avec un piano, il faut utiliser que les notes qui sont à bout de bras. Quoi. Il ne faut pas avoir un piano qui fait 3 km. C'est à peu près la même chose. Donc, avec très peu de paramètres, il faut arriver à faire des choses. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est vraiment dur. Là où je veux en venir, c'est que donc exposer, c'est choisir la quantité de lumière que va recevoir le film. Et je dis choisir parce qu'en définitive, c'est le choix qui va correspondre au rendu qui est souhaité. Dans un premier temps, le choix qu'on va faire, c'est un choix technique. On est obligé de commencer par la base avant d'explorer les rendus différents. Donc le choix technique, la technique de base, c'est quoi ? C'est avoir un négatif, c'est un négatif qui a des détails dans les ombres et puis des détails dans les hautes lumières, c'est-à-dire qu'il y a de l'information partout, en fait. Quoi. Donc ça, c'est la base technique. Ensuite, on peut s'amuser, effectivement, à massacrer un peu le négatif ou à le faire pencher dans une direction plutôt que dans l'autre. Mais au départ, il vaut mieux commencer par ça, quelque chose d'équilibré. Alors... La caractéristique de l'argentique, c'est qu'il n'y a pas possibilité de vérifier l'exposition derrière l'appareil. Donc, il va falloir qu'on cède, il va falloir qu'on fasse une mesure de lumière sans trop se planter. Et pour ça, on a deux outils à notre disposition. On a soit le posemètre qui est dans l'appareil, soit en fait un posemètre externe.
comme par exemple celui-ci, ce truc-là. Là. Okay ? Alors, on se dit immédiatement que le posemètre qui est dans l'appareil, celui-ci, il en a un, et celui-ci aussi d'ailleurs, bah, c'est le meilleur choix, puisque de toute façon, il est toujours embarqué, on l'a toujours avec nous, il n'y a absolument aucun problème. C'est effectivement la meilleure raison d'utiliser le posemètre embarqué, c'est parce qu'il est directement dans l'appareil. Mais c'est pratiquement son seul point positif, à mon sens. Et donc, le gros point négatif de ce petit bazar-là, bah, c'est que c'est un truc en plus à prendre, il ne faut pas l'oublier, il faut le trimballer. Plus c'est gros, plus c'est casse-pieds. Donc voilà, c'est le truc supplémentaire. Mais qu'est-ce qui, hormis le transport, qu'est-ce qui fait l'intérêt de choisir d'utiliser l'un plutôt que l'autre ? Alors, l'intérêt, il est le suivant. Enfin, il y a une petite, citation que j'aime bien sortir régulièrement. C'est le fameux photographe, vous connaissez tous certainement, Don McCullin, qui est célèbre pour tous les reportages de guerre qu'il a fait. Lui, il disait, je ne fais pas une seule photo avant de prendre une mesure. Et c'est un gars qui a failli se faire tuer 25 fois, quoi. Et dit pour la simple et bonne raison, c'est que si je prends le risque de me faire tuer pour une photo, il faut au moins qu'elle soit bien exposée, quoi. Donc on n'est pas dans cette situation-là tous les jours, heureusement. Mais bon, ça illustre bien le propos, quoi. Si on fait quelque chose, autant essayer de le faire correctement. Alors, quel est l'avantage, quand on commence, d'utiliser une cellule externe ? Alors, le truc super primordial à comprendre, c'est que la mesure d'un posemètre qui est à l'intérieur d'un appareil, elle nécessite d'être interprétée. Et c'est là que le bas blesse. C'est un peu comme en religion, quoi. C'est-à-dire, dès qu'on commence à interpréter, c'est free for all, quoi. On y va tous n'importe comment. Donc, l'interprétation, ça représente un petit danger. Alors, là, on ne parle que technique, hein, ce n'est pas de la religion. Mais quoi qu'il en soit, c'est le premier piège. Elle a besoin d'être interprétée parce qu'elle va changer en fonction de chaque scène. Elle mesure une lumière réfléchie. Le gros avantage d'une cellule externe, comme ça, quand on commence, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être interprétée. On lit la mesure, on la reporte et basta. C'est fini. Et là, on est sûr de ne pas se planter. Alors, pourquoi et comment ? Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça et pas ? Pourquoi est-ce que c'est pratique ? Parce qu'il y en a un qui mesure la lumière réfléchie par la scène, c'est-à-dire celui-ci. Voilà. Et puis, il y en a un autre qui mesure une lumière qui éclaire la scène. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Celui qui mesure la lumière réfléchie est obligé d'avoir une référence parce qu'il ne sait pas ce qu'on, enfin, il sait pas ce qu'il regarde, quoi. Donc il prend comme référence un gris neutre, un gris moyen. Et il se dit, de toute façon, je vais tout rapporter à un gris moyen. Donc vous pouvez lui mettre dans le viseur quelque chose de clair ou de sombre. Lui, il s'en fiche, il veut du gris moyen. Donc il va vous indiquer, il va vous mettre le curseur ou l'aiguille pour que ça vous donne un gris moyen, un truc moyen. Donc c'est là que le bas blesse un petit peu parce que quand on photographie pas quelque chose de moyennement gris, bah, on se retrouve vite en fait en panade. Un exemple qui est tout bête, si par exemple je décide de photographier, je sais pas moi, une jeune mariée sénégalaise adossée à un mur blanc, la scène elle est pas grise du tout, ok, elle est plutôt assez claire. Et si on suit bêtement les indications du posemètre dans l'appareil qui nous met l'aiguille au milieu ou le curseur au milieu, eh bien lui il s'en fout, il nous dit allez on fait que du gris et terminé, et on se retrouve avec un mur gris, une robe grise. Et puis, tiens, un point noir à la place de la tête de la mariée, quoi. Et là, bah, c'est pas glam pour elle, quoi, déjà, d'une part. Puis c'est pas sympa pour moi non plus. Donc, pour éviter ce problème-là, on est obligé de dire à l'appareil, ah oui, non, mais attention, ma scène à moi, elle est claire. Ah ouais, alors ça pose un problème. Elle est claire comment ? Elle est un petit peu claire, très claire, pas trop claire, assez claire, etc. Donc, bon, bref, c'est un petit peu... Quand on commence, hein, je parle toujours du grand débutant, c'est gros casse-tête, et ça peut être assez rapidement frustrant. Donc, avec une cellule à main, pas de problème, tout se passe bien tout de suite, il n'y a pas de nervosité à avoir, on fait la mesure, et puis ça tombe tout seul, et on ne se plante pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est si simple avec une cellule de mesure externe ? C'est parce qu'on mesure la quantité de lumière qui éclaire en fait la scène. On ne mesure pas la lumière qui est réfléchie. Et de ce fait-là, par exemple, donc on comprend bien qu'un objet sombre, il va réfléchir moins de lumière qu'un objet clair. Donc si on mesure un objet sombre avec un appareil à posemètre, un appareil interne à mesure réfléchie, il va donner une mesure différente que si jamais on lui montre un objet clair. Tandis que celui-ci, il s'en fiche de ce qu'il y a sur la scène, que ce soit à la montagne, un ciel ou alors une grotte. De toute façon, il va vous donner la mesure de lumière qui correspond à la source de lumière.
à la quantité de lumière qui est envoyée par la source. Alors, la manière dont on utilise ce truc-là, c'est assez simple. Il y a un petit bulbe ici qui est blanc. On dirige ça vers la source de lumière. On prend la mesure, on le reporte sur l'appareil, et puis basta. Il y a deux avantages à utiliser ce petit truc-là. C'est que, numéro un, on n'a pas besoin d'interpréter ni de corriger la mesure. Et numéro deux, on se rend très vite compte, c'est super didactique pour apprendre, c'est vraiment génial. On se rend vite compte qu'on n'a pas besoin de faire une mesure à chaque cliché, quoi. On prend ce truc-là, et dès qu'on se balade, on voit le curseur qui fait « il n'arrête pas de bouger ». Le curseur, l'aiguille, elle fait « comme ça tout le temps. Tandis qu'avec ce machin-là, par une journée ensoleillée, vous pouvez faire une mesure le matin, l'après-midi, l'aiguille, elle va rester plantée au même endroit, quoi. Ici, c'est pareil. Là, OK, l'aiguille, elle est plantée ici. Il n'y a pas de problème. Tiens, pour info, on est à combien ? Hop. Voilà, là, on est... Allez, on est au 15e F2, là. Pour une pellicule, pour une Trix, quoi. Tac, tac. Donc, je perds le fil. Voilà. En bref, on s'aperçoit vite que quand la lumière ne change pas, ça ne sert à rien de faire des mesures nerveusement pour rien. Donc ça décontracte complètement l'aspect technique de la photo. On peut se concentrer sur l'image au lieu de faire des mesures toutes les 25 secondes. On oublie complètement cet aspect technique de la photo et on peut se concentrer sur ce qu'il y a dans le viseur. Encore une fois, la technique en photo, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Le truc qui est compliqué en photographie, c'est vraiment ce qui se passe là-dedans, enfin, c'est ce qui se passe dans le viseur. Rien de plus, quoi. Alors... Tac, tac. Alors, malgré tout, la photo argentique, comme je dis toujours, c'est super robuste. Et en fait, on peut quasiment faire ce qu'on veut. Et on n'est pas nécessairement obligé non plus d'utiliser ça. Si un jour on est fatigué et puis on n'a pas envie de se casser la nénette avec ce truc-là, eh bien, on peut utiliser une règle qui est très simple. Pourquoi ? Parce qu'en gros, la plupart des films encaissent très très bien en fait, des différences d'exposition d'un diaph. Il y a certains films, on peut même en fait, se tromper de diaph, ça ne pose pas de problème, on a quand même une image utilisable. On peut utiliser ce qu'on appelle la règle du F16. La règle du F16, c'est quoi ? C'est très simple, on prend en gros la valeur ISO d'une pellicule, si cette valeur ISO est 100, la sensibilité est 100. Cette règle dit, en plein soleil, si j'utilise une vitesse 1 sur 100, donc dans la pratique 1 125e, eh bien, il suffit d'exposer, de mettre mon diaphragme à F16, mon diaphragme à F16, et puis bah, la photo est correctement exposée. Et ça marche juste super bien. Et puis, si jamais il y a un nuage qui passe devant le soleil, hop, on se retrouve en paire de diaph, on se retrouve à F8, etc., etc. Ça fonctionne super bien. Néanmoins, en fait, quand on est en intérieur, souvent, on a besoin d'un petit peu plus de précision. Et de toute façon, quand on veut un petit peu plus de précision, il faut faire une mesure, il n'y a pas d'histoire. Et à ce moment-là, il est plus simple de se reposer là-dessus plutôt que d'attaquer avec... Il y a des avantages quand même à utiliser le posemètre interne. Mais quand on démarre, c'est vrai que c'est plus simple de démarrer avec ça. Alors, tac, tac. Ah oui, juste un petit détail sur celle-ci. Celle-ci, là, c'est une Seconic L208. Je ne suis pas sponsorisé, hein. Mais ce machin-là, ça fait 3-4 ans que j'utilise, quasiment tout le temps, et je n'ai pas changé les piles en 3-4 ans. Il y a une autre marque qui fait une toute petite cellule. Le côté pratique de celle-ci, c'est quoi ? C'est qu'elle est petite, c'est tout. Il y a Gosen qui fait un truc comme ça. S'ils sont là, ils vont me détester. Mais le problème qu'ils ont chez eux, elle est bien aussi. Celle-ci, elle n'est pas terrible pour les basses lumières. Mais elle est petite et elle ne consomme pas de piles. Gosen, elle bouffe des piles à fond la caisse. Bon, bref, voilà. Je ne suis pas sponsorisé, hein, donc je dis vraiment ce que je veux. Le problème le plus fréquent en photo argentique au début, quand on commence, c'est sous-exposer, que ce soit en couleur ou en fait en noir et blanc. On sous-expose assez fréquemment en fait ces pellicules. Et bon, c'est assez frustrant au début. Mais pour éviter ça, il y a un truc qui est très simple. Par exemple, avec celle-ci, on prend, sauf en diapo, je ne parle pas de diapo, je parle de négatif. Hein. On prend la valeur ISO de la péloche, Trix ou HP5 400, pardon. On divise par deux sa valeur ISO, donc on se met à 200. On prend la mesure dans la direction de la source de lumière et on reporte ça sur l'appareil. Et là, on est sûr de ne pas avoir de frustration au niveau de la tirelire. Alors, évidemment, c'est un peu brutal, mais bon, ça fonctionne très, très bien. On casse pas la péloche là-dessus. On n'a pas des dominos sur ces... ça, c'est exposé de cette manière-là.
il n'y a pas un seul cliché qui est blanc ou totalement saturé là-dessus, quoi. Pareil, en fait, bon, celui-là, c'était un peu d'expérience. Donc ça, c'est un peu domino, ça. Mais ça, c'est un film que j'ai... Enfin, j'ai fait quelques expériences avec ce film. Donc en prenant cette méthode-là, on divise l'ISO par deux, on divise la sensibilité par deux, on mesure en direction de la source de lumière, pas de problème. Après, on peut toujours améliorer, on peut pointer en fait le bulbe dans la direction de l'appareil, on peut le pointer dans la direction des ombres, etc. On peut faire tout un tas de choses. Mais le moyen le plus simple, c'est de pointer ça dans la direction de la source de lumière. Bon, par exemple, en contre-jour, si j'ai le soleil dans le dos, clairement, je ne vais pas mesurer le soleil, qu'est-ce qui m'éclaire? Si jamais je veux faire la photo d'un portrait, eh ben, je vais être, en fait, les personnes en contre-jour sont éclairées par le ciel qui est devant eux. Donc il suffit de mesurer le ciel bleu, quoi. Pas le soleil, le ciel bleu. Voilà. Donc c'est très simple. C'est la façon la plus rapide de commencer sans se planter. Tac-tac, donc on passe au développement. Alors, en couleur, le développement il est normalisé. C'est-à-dire que quel que soit le labo qu'on va utiliser, si on utilise un labo commercial, on est censé obtenir exactement le même résultat. Ils vont tous utiliser exactement le même procédé chimique avec les mêmes temps de développement, etc. Et donc, il n'y a, en théorie, strictement aucune différence entre les labos. Et ils vont utiliser le même procédé, quel que soit le film, quel que soit le fabricant, quel que soit le type de film en couleur. Donc, en couleur, négatif couleur, ce procédé s'appelle le C41. Et puis, pour la diapositive, l'inversible, ça, c'est un procédé qui s'appelle le procédé E6. Donc, le seul intérêt de développer la couleur à la maison, donc par le même procédé, c'est 41, on est obligé de suivre exactement la même procédure pour obtenir les mêmes résultats. Le seul intérêt, c'est un intérêt purement économique, il n'y a pas d'autre intérêt. À moins de vraiment vouloir jouer, mais je ne me situe pas dans ce cadre-là dès le départ. Donc, en noir et blanc, en revanche, c'est totalement différent parce que le procédé de développement, il n'est pas du tout normé. C'est-à-dire que les fabricants, ils ne font que donner que des recommandations pour le développement de leur pellicule, desquelles des recommandations on peut s'éloigner très nettement. Dans certains cas, c'est même quasiment nécessaire pour obtenir un bon rendu. Mais c'est différent pour chaque fabricant et pour chaque pellicule. Donc, d'un laboratoire à l'autre, si on fait du noir et blanc, on peut avoir des différences. C'est même assez fréquent. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, pour le noir et blanc, c'est que si on veut faire du noir et blanc, la seule véritable façon d'exploiter la flexibilité de tout le procédé noir et blanc, c'est de le faire à la maison, le développement. Parce qu'en fait, dès qu'on développe le noir et blanc en labo, on est nécessairement restreint par ce que fait le labo, en fait, en termes de procédé. Tandis que, justement, l'intérêt du noir et blanc, c'est qu'on peut énormément exploiter les rendus à travers le développement. Qu'on peut tuner comme on veut chez nous. Alors, le noir et blanc, c'est un casse-tête pour les labos, pour la simple et bonne raison, c'est que pour tous les films, c'est différent. Et donc, en termes de traitement, économiquement, c'est pas vraiment intéressant, parce qu'ils sont obligés, des fois, de faire un run pour 3 ou 4 films. Alors, pour eux, c'est casse-pied. Et c'est pour ça que le développement noir et blanc, dans les labos, le 3/4 du temps, c'est beaucoup plus cher que le développement couleur. Alors, il y a quand même une toute petite exception, c'est le noir et blanc chromogénique. Alors, j'en parle pas, enfin, je vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus, mais en gros, c'est une pellicule noir et blanc qu'on peut développer dans la chimie couleur. Donc on peut développer dans la chimie C41, mais il n'y a quasiment maintenant que Ilford qui fait ça, ça s'appelle XP2. Il n'y a quasiment que qui développe ce truc-là, mais donc sachez qu'on peut le faire. Et donc on ne subit pas le coût du noir et blanc dans ce cas-là. Alors, concernant le développement maison, si on veut faire une échelle des procédés et de leur délicatesse ou de leur robustesse, c'est-à-dire savoir s'ils sont vraiment sensibles aux erreurs de manip ou pas, est-ce que c'est délicat, est-ce que c'est facile ou pas à faire, eh bien, on va commencer par le noir et blanc. Je vais caricaturer, mais le noir et blanc, on peut quasiment y aller avec les pieds. C'est super robuste, on peut faire des gros écarts, on peut faire des grosses erreurs, c'est très très robuste comme procédé. Ensuite, quand même plus délicat, on ne peut pas y aller avec les pieds, le développement en fait négatif couleur, donc C41. Là, il faut quand même être un petit peu plus attentif à ce qu'on fait. Et puis, finalement, le développement donc des inversibles en E6. À la maison, c'est pareil, c'est quand même un peu plus délicat. C'est-à-dire que dès qu'on va s'écarter un petit peu du procédé normatif, du procédé normé, on va avoir des impacts sur le résultat, enfin sur le négatif, qui vont être assez visibles en termes de dérive de couleur, par exemple. Alors, en deux mots, le développement d'un noir et blanc, c'est très simple, ça se passe en trois étapes. Il y a un révélateur, un bain d'arrêt et un fixateur. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que Rémi a fait une presse là-dessus tout à l'heure.
Donc, il est inutile d'y passer trop de temps. Vous pourrez aller consulter. Alors, passons au tirage. Tac, tac. Alors, tirage argentique. Scanner n'est pas tiré. Bon, là, on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est quand même le but final de la photo, c'est d'avoir quand même quelque chose entre les mains. Alors, en couleur, démarrer par le tirage argentique, c'est un petit peu ardu. Donc, j'aurais pas tendance à conseiller ça. On travaille dans le noir total. Le nombre de paramètres à maîtriser est largement supérieur à ce qu'on a en noir et blanc. Donc, c'est pas la façon la plus facile d'aborder le tirage ou le tirage argentique, en fait, la couleur. Donc, il est plus simple de démarrer en couleur par le scan et donc la numérisation du négatif. Et la question qu'il faut se poser maintenant, c'est scan maison ou scan labo ? Alors, il faut savoir qu'un négatif, nécessairement, il est interprété. C'est-à-dire que quand on fait un tirage ou un scan, c'est nécessairement une interprétation. Il n'y a pas de vrai tirage. Ça n'existe pas, ça. Ça veut dire qu'en couleur, par exemple, il va falloir interpréter la colorimétrie et la balance des blancs. Et ça, c'est libre à chacun. Chacun va avoir une interprétation différente. Donc, si on est prêt à s'investir dans cette pratique-là à la maison, parce que c'est quand même, ça demande un petit peu de temps, il faut être prêt à y mettre du temps pour pouvoir en tirer le meilleur parti de ce qu'on fait à la maison. Sinon, on fait appel à un labo, bien entendu. Mais de toute façon, il faut savoir que, en termes de scanner, il y a des grosses différences entre les scanners pro et puis les scanners de maison. Alors, les scanners pro, les deux plus utilisés, c'est les Fuji Frontier et le Noritsu. C'est ce qui est le plus utilisé en labo commercial. Alors, pour des raisons techniques, il est virtuellement impossible avec un scanner maison, même s'il coûte 1000 euros, et que c'est marqué pro dessus, comme professionnel, il est impossible d'obtenir les mêmes résultats qu'avec un scanner professionnel pour la raison suivante, c'est que les scanners pro ont la possibilité de, alors je caricature, mais en gros c'est ça, de voir à travers des négatifs qui sont très denses, donc des négatifs qui sont très surexposés par exemple. Chose qui n'est pas possible avec un scanner maison. Je n'ai pas cité de marque parce que ça, c'est inutile, c'est pas la peine de taper sur les gens pour rien. Mais bon, il faut savoir que pour un négatif qui est très dense, un scanner maison, il va pas être capable d'exploiter le négatif. Donc on peut travailler à la maison. Alors il y a une possibilité, mais c'est encore beaucoup plus chronophage, parce que scanner c'est déjà chronophage. C'est encore beaucoup plus chronophage, c'est de poser en fait, en gros, sur une table lumineuse ou un système d'éclairage son négatif et de le photographier avec un appareil argentique. C'est une façon de numériser ses photos. Mais là, on y va cliché par cliché. Et effectivement, là, on peut passer à travers des négatifs assez denses. Mais bon, c'est très chronophage. À moins de vouloir vraiment y aller pour chaque photo, c'est un peu lourd. Alors, encore une fois, la raison pour laquelle je parle de cette différence en fait, de capacité d'exposition, c'est qu'en couleur, le rendu colorimétrique de la photographie va être énormément affecté par la façon dont on expose le film. C'est-à-dire qu'on le sous-expose, qu'on l'expose normalement, qu'on le surexpose ou qu'on le surexpose énormément, on va avoir des rendus vraiment, vraiment, vraiment différents. Donc, si on veut exploiter toute cette gamme de rendus-là, eh bien, il faut avoir le scanner adapté. Alors, comme je l'ai dit, et ça, c'est le truc important à retenir, s'il y a à retenir une seule chose, il faut retenir ça, c'est qu'un négatif, ça s'interprète. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'élément principal de la chaîne de scan, c'est pas la machine, c'est les yeux qui sont derrière l'écran. C'est-à-dire que quand on fait appel à un opérateur de scanner, enfin un opérateur dans un labo commercial qui va faire vos scans, si le gars c'est une bille ou qu'il en a rien, enfin qu'il n'est pas là en fait pour se casser la tête, il va vous scanner ça comme un cochon. Et vous pouvez avoir fait la meilleure exposition du monde et vous allez avoir des résultats qui sont horribles. Et ça c'est super méga frustrant. Vraiment vraiment super frustrant parce que sur une photo, ça m'est arrivé évidemment, si j'en parle, c'est parce que ça m'est arrivé, et à de nombreuses reprises, on peut faire une photo sous le même éclairage. Ciel bleu, aucun nuage, donc la lumière ne varie pas. Même appareil, même tout, il n'y a rien qui bouge. D'un cliché sur l'autre, on n'a pas la même balance des blancs. Donc là, c'est l'opérateur qui déconne. Il n'y a pas d'histoire. Bon, bref. Donc, ce qui est très difficile, c'est de trouver le bon labo en couleur.
c'est mine de rien, c'est assez difficile. Trouver un labo qui est exigeant sur la qualité du travail de ces opérateurs de scan. Alors, c'est la même question, en fait, en noir et blanc, scanner ou tirer. De toute façon, ça prend du temps. Du côté de labo, on dit toujours, ce qui est évoqué, la première chose, ah oui, mais l'agrandisseur, ça prend de la place, blablabla. C'est pas faux, c'est vrai que ça prend de la place. Néanmoins, la chose dont on ne parle pas du tout, c'est du côté du scanner, le petit piège dans lequel en fait, tombent la plupart des gens qui commencent, enfin de ce que j'observe en tout cas, c'est que le scanner, il pardonne énormément de trucs. C'est-à-dire qu'il va vous donner l'impression que la photo est bien exposée, alors qu'en fait, le jour où vous l'amenez sous l'agrandisseur, vous apercevez, putain, mince, en fait, elle n'est pas facile à tirer, cette photo, quoi. Et ça, c'est un gros, gros piège. C'est-à-dire qu'il pardonne beaucoup d'erreurs. Et donc, la meilleure façon de savoir si on a de bons négatifs, c'est, si on n'a pas un labo chez soi, si on ne veut pas tirer soi-même, etc., c'est de prendre au moins un neg et de le donner, en fait, à un vrai tireur, dont c'est le job, et dire, voilà, est-ce que tu peux me faire, en fait, un tirage avec ce négatif et me donner ton retour. Et là, il va vous dire tout de suite si le neg, en fait, est correctement développé ou pas. Là, il va vous dire s'il est correctement développé ou s'il est bien ou mal exposé. Et là, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on a calibré ça, avec quelques négatifs, on sait très bien en fait ce qu'on doit obtenir du côté du scanner. Donc là, on est en mesure de pouvoir utiliser son scanner chez soi. Okay ? Alors pourquoi utiliser le scanner chez soi ? Il y a une raison à ça. C'est que ça permet de, un, de faire des planches contact à moindre coût, parce que faire des planches contact sous agrandisseur, ce n'est pas le truc le plus fun. Okay. Ça permet de deux de faire un tri assez facile en fait à des premières images. Donc ça permet de faire le gros travail d'édit en fait avant de passer en labo dans lequel on passe vraiment le temps de qualité sur les meilleures images. Donc ça c'est un gros avantage. L'autre avantage c'est que ça permet de raffiner des projets par exemple sans perdre de temps inutilement dans le labo. On peut raffiner par exemple un projet à travers un livret, ou etc. Ça permet de voir si on a fait une bonne séquence, s'il n'y a pas des images qui manquent dans un projet, etc. Donc ça permet de faire tout ce travail en fait hors labo avec un minimum de perte de temps, enfin quasiment sans perte de temps. Et ça, c'est vraiment le point positif du scanner. C'est-à-dire pas perdre de temps en fait sur les images qui sont pourries, quoi. Donc, en conclusion, c'est tout ça qui me fait dire que tout ce matériel, en fait, toutes ces choses qui sont à notre disposition aujourd'hui, que ce soit le scanner, ça a toujours été disponible, mais essentiellement en fait, le scan, les labos commerciaux, ça permet d'exploiter quasiment la totalité en fait, du gamut des possibles en fait, du médium argentique. Et ça qui est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment un médium qui reste encore, et même encore plus qu'avant, très, très accessible. Voilà, je ne parle pas du coût, etc., parce que ça, on en a parlé l'année dernière. Donc vous pouvez aller voir ça dans la vidéo qui est sur le site de Nantes IQ. Voilà, c'est pas aussi cher que le numérique, et dans bien des cas, c'est moins cher que faire du numérique. Mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà, donc j'ai terminé là-dessus. Je vous remercie.